l'Europe, c'est un record, puisque on enregistre presque 600 tireurs, 594 tireurs. Je crois que le record était détenu en championnat du monde, 494, donc 100 tireurs de plus. L'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, l'Italie. Même à la Russie et l'Azerbaïdjan. Oui, oui, n'oublions pas. La chance d'avoir la société La Porte avec nous, qui nous a en plus apporté une cinquantaine de lanceurs neufs. Dernier cri, qui nous a permis de faire une compétition avec, on va dire, presque aucun joueur. Comme vous le savez, c'était la première fois où on mettait en place avec la FITASC et la FFBT, la nouvelle formule. Donc, ce qui consiste à tirer en ligne, sans interruption. Il n'y a plus de planche. Avant, on avait des groupes de 6 tireurs. Aujourd'hui, on commence le tir à 9h et non-stop jusqu'au soir 17h, simplement pour charger les machines éventuellement, s'il y en a à charger. Donc, une nouvelle façon de voir les choses. Et l'avantage, c'est que tout le monde commence au poste 1 et sort au poste 5, donc pas de désavantage d'attaquer à un poste plus difficile que l'autre. Je crois que ça a été très apprécié des tireurs. Bon, au niveau de l'arbitrage, notre concept aussi, puisqu'il n'y a plus de marqueur, il n'y a plus de 1-3 tirs à la marque, c'est tout sur télé. C'est enregistré directement et même envoyé directement au secrétariat.